Laurent Goffinet, bonjour, félicitations, belle victoire dans le Grand National. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu vos sensations ici sur la piste de Lyon ? Déjà, gagner à Lyon, c'est quand même un concours assez extraordinaire. Donc gagner ici, c'est encore un petit peu plus de savour. Je savoure ça énormément, c'est top. Il y a la victoire et c'est surtout de retrouver ma jument. Parce que ça faisait un petit moment que je ne retrouvais pas ma jument au meilleur niveau. Au CSI 3 étoiles de Mâcon, elle sautait pas bien, elle avait une petite blessure qu'on n'arrivait pas à soigner correctement. Donc on l'a arrêtée 2 mois et elle a redébuté au Grand National à Lorient. Elle fait 4 points dans le Grand Prix. Après, je suis allé faire le Saint-Lô dimanche dernier, elle est 4e du Grand Prix de 3 étoiles en sautant vraiment très bien. Malheureusement, une petite faute, sinon j'étais 2e derrière Boustier à quelques centièmes. Et là, aujourd'hui, elle ressaute de nouveau bien. Et ça s'est confirmé que dimanche dernier, ce n'était pas un coup de chance. Alors justement, il y a eu un petit moment de creux, vous le disiez, une petite blessure. C'était quoi exactement ? C'était un petit ligament qui était entre le boulet et la couronne, qui était dur à détecter parce qu'il n'y avait aucune boiterie, il n'y avait pas de chaleur, il n'y avait rien. Simplement une jument qui était raide. Comme je la connais par cœur, je sentais qu'il y avait un peu plus de raideur que d'habitude. Parce que naturellement, c'est une jument qui est assez raide quand même, c'est une grande jument, un peu longue et tout. Mais du coup, avec mon vétérinaire qui la connaît par cœur, on l'a examinée et on a enfin découvert ce que c'était. Donc après, c'était simplement une question de temps, de repos. Et voilà, il n'y avait même rien à faire, il n'y avait pas de soins, simplement du repos. Et on a attendu le temps qu'il fallait pour la remettre correctement. Donc très content de la retrouver. Donc là, on l'a dit, elle retrouve son meilleur niveau. Du coup, vous avez une idée pour la suite du programme ? Vous allez continuer en indoor ? Là, elle va faire le Grand National au Mans. Peut-être un autre CSI à Saint-Lô pendant un CSI 2 étoiles, l'AEC. Je pense qu'on va arrêter. Et encore, je ne sais même pas si le CSI de Saint-Lô, elle va faire. Et elle va redébuter par une tournée, je ne sais pas encore, soit l'Espagne ou le Portugal début février pour préparer la saison. Mais voilà. Merci beaucoup.